Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, un beau reportage de pêche où tout l'a dit au lac Mégantic grâce à Berkane Coban et ses invités Michel Lemay et Serge Boulet. On voit en studio un peu plus tard Vincent Cloutier qui vient nous parler des porte-cannes et on vous réserve une belle surprise en studio. Restez des nôtres. Toujours un plaisir de revoir Vincent à l'instant sur le plateau. Salut Vincent. Salut Sylvain. Un beau reportage de pêche aujourd'hui qui va suivre notre rencontre. Et je suis content parce que c'est des équipements que beaucoup de pêcheurs utilisent pour pêcher la truite grise. Oui, la truite grise ou tout autre type de poisson. Ça dépend du type de pêche qu'on fait. C'est surtout des items qu'on utilise pour la pêche à la traîne. Ah oui, exactement. Il y a des panoplies de modèles. J'en ai emporté les trois, on va dire, plus universels. Un de base. J'ai une petite chaloupe chez moi, puis je veux un porte-canne sans trop être obligé de percer sur mes plats-bords de chaloupe. Ça se visse avec une vis sur le rebord et ça sert de porte-canne. Porte-canne. On peut mettre un peu tout type de canne à pêche à l'intérieur. Dans le porte-canne, que ce soit un lancer léger ou un lancer lourd, il n'y a pas de problème. Quel est l'intérêt, Vincent, d'avoir un porte-canne? C'est pas plus le fun d'avoir la canne à la main et de sentir le poisson mort? Moi, je pense à celui-là qui est au moteur électrique. Oui. Au lieu d'avoir une main sur le moteur, une main sur la canne. C'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. Ah oui, c'est du travail parce que celui qui pêche puis qui est au moteur en plus puis qui doit naviguer, composer, surtout si c'est un sonore avec les yeux sur le sonore, ça fait beaucoup de choses à voir. Un porte-canne, ça te libère. Oui. Il y en a d'autres modèles. Un modèle qui est vraiment universel qu'on fixe directement sur la chaloupe. OK. Le bateau. Donc, si on va dans une CEPAC, une pourvoirie, on ne peut pas partir avec un modèle comme ça parce qu'on ne peut pas le visser, on va dire, sur la chaloupe. Ça te prend déjà une base intégrée à ton bateau, en bateau personnel, et tu l'installes avec ça. Comme un modèle vraiment comme ça. Ça prend vraiment une canne à pêche à la traîne parce que souvent les cannes à la traîne, ils ont un manche beaucoup plus long. Un manche beaucoup plus long, puis on voit ici que ça prend quand même un long manche. Oui. Et j'aime la façon que ça peut être dirigé. Tu peux y donner l'angle que tu veux. C'est quand même bien fait. Oui. Si jamais on veut utiliser un modèle comme ça et le fixer sur une chaloupe, on fait juste changer la base. Puis là, on a un modèle qu'on peut fixer sur une chaloupe qui ne nous appartient pas. Ou si on fait juste un voyage par année à la traîne, on utilise un modèle comme ça. Intéressant, hein? Donc, c'est tout, j'imagine, standard. Si tu achètes un porte-canne comme ça, ça va avec une base. Par compagnie, on va dire. Compagnie, que ce soit Scotty, Canon, peu importe. Ils ont vraiment leurs adaptateurs qui marchent avec le porte-canne. Et lorsqu'on pêche avec aussi un leurre qui est relativement lourd ou un genre de long chapelet ou une pêche au masquinongé, souvent que les leurres ont plusieurs onces de poids, ça peut être une alternative intéressante. Plutôt que de se faire brosser toute la journée à tenir la canne, le porte-canne peut te donner une pause. On est deux dans la chaloupe, Sylvain, ça mord, je veux t'aider à puiser, je mets ma canne dans le porte-canne, moins de chances que la canne parte à l'eau s'il y a un incident. Moins de chance de la briser aussi ou de piler dessus si tu la mets dans toute la longueur du bateau. Puis je trouve dans tes choix, il y en a un peu étrange. Oui. Tu appelles ça un porte-canne? Oui. C'est un porte-canne de canne de bière ou d'appétit. Un autre canne pareil. Un autre canne pareil, mais farce à part, c'est très utile dans une chaloupe parce qu'évidemment, nos boissons sont toujours renversées, nos liqueurs, boissons gazeuses. Merci beaucoup, Vincent. Puis j'espère que tu restes avec moi parce que nous, on se dirige vers un beau reportage, justement, de pêche au Touladi ou à la truite grise au lac Mégantic. On regarde ça ensemble. On est présentement dans l'Estrie, au lac Mégantic, pour venir pêcher la truite grise à l'ouverture. C'est une pêche printanière. On est présentement au mois d'avril. C'est la première journée que la truite grise rouvre ici sur le territoire.
Et quand on parle de truite grise, on parle de touladi ou truite de lac. C'est une espèce de salmonidée qu'on retrouve partout en Amérique du Nord. On va sortir le net. Un proche, ouais, un proche. Regarde, le net, c'est moi qui l'ai. Elle est mal prise, elle. Elle est mal pognée ou... Elle est mal pognée ou elle est trop bien pognée, là. Oui, elle est enroulée. Elle s'enroule des fois. Elle s'est enroulée? Oui. Elle l'a dans la bouche. Non. Elle t'en rate un coup, là, elle. Hi-hi! Attends un peu. On va. Prends le temps. Elle est bonne. Elle est pas prête. Oh là là. Là. Yes. C'est bon. Merci, Bertrand. Superbe. Yes, sir. Bonne ça. Ouais. Je m'en occupe. Hop là. Hop. Hop. Ça, faut que tu dépasses à l'aile du blé. OK, on va la remener à l'eau. Merci, ma belle. Bien fine. Bien fine de m'avoir laissé cette chance-là. En fait, pour notre pêche à la truite grise, à l'ouverture comme ça, le défi, puisque la recette, c'est d'essayer d'imiter le plus possible la nourriture du poisson. Et à ce moment-là, la grise, elle se tient dans pas profondo pour aller se nourrir des perlans qui sont, eux, sur la fraye. Alors, il y a comme deux types de leurres qu'on utilise. Deux modèles de paddle avec la queue ronde. Deux beaux petits modèles. Et comme vous pouvez voir, là, il y a comme du mauve ou bien du bleu qui sont des couleurs qui vont ressembler là, à l'éperlan. Et il y a un autre modèle ici qui a la queue fourchue, qu'on a eu des attaques sur lui aussi, sans nécessairement avoir de succès pour cette fois-ci, là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aurait jamais. Lui, il ressemble davantage au petit menet traditionnel, là, mais qui doit sûrement être aussi une des nourritures là, de la truite grise. On va le finir, Serge. Je ne voudrais pas que je la perde. Tu vas l'avoir. Ça va long. Elle va s'en venir bientôt. Yes! Yes, sir! Yes! Yes, sir! Et voilà! Truite grise qui vient de mordre difficilement. Présentement, là, plus que la journée avance, plus que la truite grise là, mord difficilement ou tombe en profondeur. Fait qu'on est en train de prendre les dernières grises de passage. Fait que je la remets à l'eau. As-tu remarqué que ça ressemble à une grosse mouchetée, hein? Lorsqu'on pêche différentes espèces sportives de poissons, ce qu'il faut assurément savoir, c'est la température préférentielle des poissons.
Dans ce cas-ci, la truite grise, elle cherche des températures là, dans une zone de confort entre 46 degrés Fahrenheit et 55 degrés. Ça veut dire que c'est une eau qui est assez froide. Alors, à ce moment-là, au printemps, l'eau se réchauffe normalement en surface. Présentement, nous, on a trouvé des eaux qui variaient entre 38 et 45 environ Fahrenheit. Fait que, dépendamment des endroits sur un plan d'eau, comme les endroits qui sont exposés plus au soleil, les roches, les plages sablonneuses, ça va se réchauffer davantage. Pour ça, quand on cherche la truite, bien, il faut aussi regarder notre sonar puis regarder les températures en surface. Ceci étant dit, la truite au printemps, on la retrouve un peu partout sur le plan d'eau en surface. Et quand l'été avance avec les canicules, l'eau se réchauffe de beaucoup et la truite grise va chercher à aller en profondeur. C'est-à-dire que des fois, on va la retrouver beaucoup plus entre 60 et 80 pieds de profondeur. Ça, c'est des zones qui sont beaucoup plus réfrigérées dans le sens où que plus la température est beaucoup plus froide. Il y a des thermoclines, fait que le poisson se retrouve là, y compris l'éperlan ou le cisco. Il faut savoir que l'éperlan et le cisco, c'est deux espèces de poissons fourrage que la truite grise là, mange en prédilection. Le poisson ici qu'on retrouve le plus, le poisson fourrage, c'est l'éperlan. Alors l'éperlan, lui, fait sa fraie au printemps. Alors, il faut chercher toutes les zones où il y a des entrées d'eau, comme les rivières particulièrement, et les petits ruisselets. Et là, à ce moment-là, la truite grise, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir fréquenter ces lieux-là, étant donné que c'est des corridors, des passages que les éperlans vont devoir prendre pour se rendre jusqu'à leur lieu de frais. Fait que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, on cherche les endroits davantage où il y a des entrées d'eau plutôt que de vérifier la température. Et on attend à ce moment-là le passage, la grise, où on va chercher le passage, on l'attend. Fait que un ou l'autre, on peut faire le mode ancrage ou le mode déplacement. Elle a l'air grosse. Elle est beaucoup plus grosse, je pense, que la mienne. Hein? Elle fait la même affaire qu'à moi tantôt. Ouais, elle bouge, elle donne des coups sur le fil. Pas prêt. Es-tu correct? Prends le temps que t'as besoin. T'as le combo au moins? Il m'a. La remontée en surface, ça se cale au fond. Je peux pas oublier. Pas de doucement, je peux pas passer mon fil. Il m'a bien mieux qu'hier. On va-tu sur le côté là? Non, amène la face si t'es capable. Yes, sir! Yes, sir! Good eye! Good shot! Ah, je suis content! Je comprends pas pourquoi qu'elle fait ça, là, mais bon, on va la ramener de même, là. C'est donc bien drôle le combo, ça. Elle a encore le jig. Venue mordre à côté de la chaloupe, faisait deux lancers qu'elle venait. On vient de terminer notre journée. En conclusion, on a tout attrapé des beaux spécimens de truite grise, même que Michel a réussi à attraper un beau gros achigan à cette période de l'année-là. Et ce qu'on est arrivé à noirceur, on s'est dit, ben, on va essayer avec des leurres de surface et ça n'a donné aucun résultat. On s'est même dit qu'au lever du soleil, on aurait plus de chance. On a vu quelques timides bouillons en surface, mais autrement, on n'a encore là rien réussi à attraper. Alors, on s'est dirigé dans une zone un peu plus profonde, entre 15 et 20 pieds, 25 pieds. Et là, ça a été un secteur d'activité assez productif, surtout sorti là, des rivières ou des embouchures.
Et à un moment donné, on a vu que ça s'est estompé. On s'est dit, bon, on a cherché le poisson là, en plus en profondeur. Et je sais que Serge, toi, ouais. Tu as réussi quand même une technique. Là, tu peux nous en parler? Oui, autour de 70 pieds d'eau, j'ai attrapé là, avec un jigging wrap, là, un leurre qui est davantage de provocation. On a réussi à leurrer une truite comme ça. Par la suite, bien, comme Berkane disait, ça a été de la finesse pour des présentations lentes et subtiles pour déjouer Dame Truite. Ça a été super le fun là, comme défi. Fait qu'on vous invite à demeurer avec nous et à rester à l'affût. Toujours très plaisant, après un beau reportage de pêche, comme on vient de voir, de revenir en studio et être avec la vedette du reportage, Berkane lui-même. Salut Berkane. Bonjour Sylvain. Belle pêche, ou tout l'a dit, ou à la grise, ou peu importe, un poisson qui suscite beaucoup, je dirais, d'intérêt. Vous étiez au lac Mégantic. Dis-moi, Berkane, le lac Mégantic, c'est une destination reconnue pour la pêche à la grise? Bien, c'est connu pour la grise, mais en même temps, il y a différentes salmonidés au lac Mégantic. On a aussi la truite mouchetée, on a la truite arc-en-ciel, on a même de la wananiche et de la mouchetée. Fait que si on veut avoir toutes les espèces dans un plan d'eau, ça fait partie d'un plan d'eau qu'on peut utiliser. Puis il faut savoir aussi que c'est dans la région de l'Estrie, mais le lac Mégantic, la rivière Chaudière prend sa source à travers le lac Mégantic et c'est une rivière qui est longue de 185 km et qui se déverse là, à hauteur de Lévis dans le fleuve. Ah oui, quand même intéressant. Plusieurs gens n'ont pas conscience que la rivière qui voit à Lévis prend sa source d'aussi loin que ça. Tout à fait. Même. Et tu étais là à l'ouverture de la pêche à la grise? Effectivement, à l'ouverture, on était là. Ça rouvre en même temps que la truite mouchetée. OK. Alors, c'est la même période. Puis, c'est un moment qui est prisé par les pêcheurs. J'imagine, là-haut du bateau un peu sur le lac. Bien, des fois, ça arrive qu'on est 20 ou même 25 là, facilement. Là, le matin à l'ouverture, les gens, là, c'est un engouement. Là, ça doit arriver tôt parce que la descente de mise à l'eau doit être passablement occupée cette journée-là. Effectivement. Nous, on avait une rampe privée, fait qu'on n'a pas eu à vivre ces délais-là. Mais par le passé, de l'avoir déjà vécu, les gens arrivent de bonne heure. T'sais, ils arrivent facilement à 3 heures le matin pour être sûr d'avoir une place parce que les gens se regroupent ensemble parce que la grise est dans ce cadre. Là, je revenais sur le reportage, mais là, entre-temps, je fais du coq à l'onde un peu. Tu m'excuseras, Berkane. L'eau est froide à ce temps-là de l'année. Je voyais que vous pêchiez avec subtilité et finesse. D'habitude, on pêche en profondeur, la grise. En période estivale, la grise va aller dans les profondeurs, va aller facilement de 60 à 80 pieds de profond. Okay. Parce que c'est un poisson qui aime la température froide entre 5 et 8 degrés Celsius. Okay. Au printemps, l'ouverture, quand la glace vient de se retirer, on n'est pas loin du 1-2 degrés. Puis à ce moment-là, la grise va s'approcher des berges là, pour aller chercher davantage de chaleur. Et en même temps, c'est une bonne période où ce que tous les menées sur un plan d'eau, règle générale, va frayer au printemps. Et les parlants sur le lac Mégantic frais au printemps. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est que c'est un opportuniste. Il va se tenir à l'embouchure des rivières, attendre que les parlants passent, puis il se tient, règle générale, dans les cassures. OK. Donc, les parlants veulent remonter la rivière pour aller frayer, et la grise, pas folle, attend que les parlants remontent la rivière. Donc, c'est un peu votre plan de match. Exactement. Vous pêchez à l'embouchure de certaines rivières. Puis quand tu appelles de cassure, tu parles d'une zone relativement profonde. C'était quoi votre propre profondeur? Ben, le principe, c'est qu'on a une plateforme là, qui fait dans 5 à 7 pieds. Puis tout d'un coup, là, on a une cassure qui peut descendre de 5 à 7 pieds ou 10 pieds, qui retourne dans une zone de profondeur à 25 pieds. C'est ce qu'on appelle une cassure qu'on peut voir sur le sonar. Oui. Et le poisson, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se tient là comme en embuscade, parce que ça lui permet de se cacher également. Donc, c'est sur une plateforme, il est visible. Dans une cassure, bien, il est moins visible. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il attend la bouche grande ouverte que le parlant passe. Fait que c'est pour ça que ça prend une pêche de finesse, parce que l'eau est froide. Fait que quand l'eau est froide, le poisson est au ralenti. Oui. Puis en même temps, la grise a le choix. Fait qu'elle attend, puis il faut présenter une remontée des parlants dans la cassure. Oui, puis il faut que le leurre soit quand même assez réaliste, parce que faut qu'il ressemble beaucoup à sa proie qui est là, sinon elle va le bouder. C'est un bon point, Sylvain, parce que plus qu'on fait des présentations lentes, mieux et d'utiliser des leurres qui s'apparentent le plus à notre espèce. Au poisson fourrage. Au poisson fourrage. Okay. Fait que plus qu'il va être réaliste, plus que ça va être facile de leurrer le poisson. Mm-hmm. À l'opposé, si on pêche avec des cuillères l'été, on va beaucoup plus vite. On va des fois à 2.3, 2.5, 2.7 000 à l'heure. Là, on va utiliser des cuillères. Fait qu'on comprendra qu'une cuillère au ralenti n'aura pas l'effet de faire provoquer l'attaque. Fait que
dans ce contexte-là. Ah, c'est bon, ça. J'aime cette petite distinction-là. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de remises à l'eau que vous avez faites. Est-ce qu'il y a un plan de gestion au lac Mégantic qui fait que les poissons n'avaient pas eu une taille prédéterminée? Comment ça fonctionne, Bacan? Très bonne question, Sylvain. Partout au Québec, règle générale, il y a un plan de gestion pour la truite grise actuellement. C'est un poisson là, qui peut facilement vivre jusqu'à plus que 40 ans. Wow. Donc, c'est important de faire attention de le préserver. Au lac Mégantic, là, à la différence d'ailleurs, c'est qu'en bas de 24 pouces, il faut faire de la remise à l'eau obligatoire. Dans ce plan d'eau-là, on garde effectivement juste les génitaires. Fait que ça, c'est intéressant. Les gros spécimens peuvent être gardés. Effectivement, ah, ouais. Si on veut les garder, bien entendu. 24 pouces, c'est plus que ça, si tu veux les garder. Mm. C'est quoi la quantité de permise? C'est 2 grises par pêcheur. Il faut retenir une chose, c'est que dans la grise, où le tout l'a dit, plus qu'on grossit, moins que la chair est intéressante en valeur culinaire. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Bien, Berkane, à ce moment-là, explique-moi d'où vient cet engouement-là pour ce poisson. Il y a des maniaques de pêche à la grise au Québec. Il y a des maniaques qui ne pensent qu'à ça. Leur coffre à pêche n'est que des leurres de pêche pour la grise. Ils vont en profondeur aux dents de rigueur dans le cœur de l'été. Ils vont faire une pêche printanière, peut-être même à la mouche, au streamer. Mais il y a un engouement incroyable sur ce poisson-là. Puis là, si tu me dis que les gros spécimens, culinairement parlant, sont plus ou moins bons, qu'est-ce qui explique cette frénésie face à ce poisson-là? Bien, fort honneur qu'au Québec, on le sait, hein, c'est notre poisson préféré de tous, c'est la mouchetée. Oui. Puis les gens ont commencé à pêcher la mouchetée en bas âge. Fait qu'on reste avec ces ancrages-là d'un poisson fétiche. Et une truite. Effectivement. Fait que la truite grise, à ce moment-là, elle s'apparente énormément à la mouchetée. Elle n'a juste pas les taches là, qu'on retrouve là, sur le long de son flanc. Mais en même temps, il s'apparente, il ressemble beaucoup. Puis les gens ont toujours rêvé de prendre des grosses mouchetées. Oui. Quand on prend une grise qui ressemble à une mouchetée, bien assurément qu'il y a un côté d'excitement là. Parce que c'est un gros poisson. Un gros poisson qu'on cherche normalement à attraper dans notre vie aussi. Parce qu'il peut atteindre des tailles impressionnantes. Là. Au Québec, là, par année, on voit qu'il y a des poissons de 20 livres et plus qui se capturent. Ben oui, juste pour dire, le record au Québec, c'est au lac Mistassini, 79 livres. Là. Ça donne une idée. C'est quand même incroyable. Puis on dépasse un mètre là, pour la grise. Mais la moyenne, il faut se le dire, là, pour la grise, là, c'est à peu près entre 14 et 28 pouces. Ça, c'est la moyenne qu'on capture. OK. Tu me parlais de pêche de finesse. Est-ce que ça a une incidence sur notre équipement de pêche? Effectivement, ça prend une canne, idéalement, tu sais, de lancer léger avec une canne medium light. C'est-à-dire que si on a une canne à moucheter là, tu sais, qui est très mollasse ou molle, bien, elle, à ce moment-là, fait qu'on ne sentira pas les touches. La truite grise mord délicatement, subtilement. Bon, bien, merci beaucoup, Berkane. Très intéressant. J'aurais jasé de pêche à la grise toute la journée. Nous, on se revoit après cette courte pause. Eh bien oui, c'est déjà terminé pour nous. J'espère que cette émission chargée vous a plu. Un gros merci à Berkane Coban et ses invités, Michel Lemay et Serge Boulet pour un superbe reportage de truite grise. Merci à Vincent Cloutier. Et nous, ben, pendant que je vais aller fouiller dans mes grammaires de pêche parce que j'ai hâte, ben, je reste à l'affût.